surtout si on peut éviter de conflit, on évite toujours. Bon, on peut pas. Hein. Mais je vais raccourcir au maximum pour éviter de surprendre. Faut pas que ça soit vu. Ok, là, regardez, hop, ça rentre. Et ça rentre. 1, 2, 3, 4, 3, ici. Boum, genou. Ah, un coup de genou. Ah, mais ici. Boum, on va chercher. Boum, pour revenir. Hein. Ici, boum. J'essaie de synchroniser tout le corps. On explose. Si je frappe une fois et que je vois que c'est calmé, ça sert à rien d'aller plus loin, bien sûr. Après, il y a la théorie, il y a la pratique. Ici. Oreille. 300. Et ça revient. Hein, je mets bien mes mains devant. J'évite de le toucher tant qu'il n'y a pas eu une agression. Coup de coude, coup de pied de 300. Et je reviens. Plus en l'air, et ça repart. Coup de tête. Et je place le coude derrière. Il faut essayer d'évaluer en fait le degré de dangerosité. Là, on va pas s'envoyer, boum, mais ça va rentrer tout de suite. Ici, les yeux. Voilà, là je mets une gêne. Je vais me permettre de revenir sur l'autre. Il met le coup de poing. Ici, je pique. Ici. Là, je prends la descente, regarde. Ici. Et l'embrouiller, hop, regardez, ça, ça gêne. Je vous ai dit, vous frappez les dents en même temps. Ici, hop, je pique. Et je reviens. Ici. Ça part. Ma gorge, ici, ah mais on veut le coup derrière. Kick en haut, boum, revenir. Le mec il bloque comme ça, regardez. Boum, ça monte. Boum, ça redescend. Ça là. Toujours frapper sur les points vitaux. Ici, les yeux, les parties génitales. On ressent ça que plus on est proche comme ça, boum, plus ça vient naturellement. Et plus on va être un petit peu éloigné, et voilà, paf, plus ça va être compliqué en fait. Frapper en même temps, ici. Okay. Simultanément. Je dis, je shoot en bas, je shoot en haut, boum, et je sors de l'autre côté. Toujours en faisant attention à ça. En bas, en haut, hop, et je sors d'un côté. Ici. Ici, ça, ça marche aussi. Hop, je bloque. Fois, et la gorge. Pas me laisser dépasser par les émotions, avec contrôle. Non, c'est pareil, pas. Ici, je vais rester là. Voilà. J'essaie d'accrocher, de piquer. Oh, mais dans vos livres. Donc, faut se mettre dans ce contexte-là, et surtout, faut s'habituer à la violence. Indispensable, on va être efficace en combattant. Ouais.